Le jour où Lionel Messi a montré à Cristiano Ronaldo qui était le patron remonte à la saison 2011 à 2012. Plus précisément lors du match de la demi-finale de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Real Madrid, qui a eu lieu le 27 avril 2011. Ce match est souvent cité comme un tournant dans la rivalité légendaire entre les deux superstars du football. Lors de cette rencontre au Camp Nou, Messi a été tout simplement phénoménal. Le FC Barcelone, sous la direction de Pep Guardiola, était en pleine forme et les attentes étaient élevées. Le match a commencé sur un rythme intense, avec les deux équipes cherchant à prendre l'ascendant. Cependant, c'est Messi qui a fait la différence. Il a ouvert le score à la 87e minute après avoir dribblé plusieurs défenseurs, réalisant un tir magistral qui a laissé le gardien madrilène, Iker Casillas, sans réaction. Ce but a déclenché une vague d'enthousiasme parmi les supporters du Barça et a fait chavirer le Camp Nou. En marquant à ce moment crucial, Messi a non seulement mis son équipe en tête, mais il a également prouvé qu'il était capable de briller lors des moments décisifs. Mais la démonstration de Messi ne s'est pas arrêtée là. Dans les derniers instants du match, il a ajouté un deuxième but à son palmarès, en marquant à la 88e minute. Ce doublé a non seulement scellé la victoire du Barça 2-0, mais il a également affirmé sa domination dans ce duel personnel avec Ronaldo. Le contraste était frappant, car Ronaldo, bien qu'il ait eu des occasions, n'a pas réussi à concrétiser ses efforts face à une défense solide et à un Messi en pleine forme. Cette performance de Messi lors de la demi-finale de la Ligue des Champions a été un moment charnière dans leur rivalité, car il a non seulement aidé le Barça à se qualifier pour la finale, mais a également permis à Messi de revendiquer son statut de meilleur joueur du monde à ce moment-là. Le fait que Messi ait réussi à marquer deux fois contre le Real Madrid, un adversaire redoutable, et dans un match aussi crucial, a fait éclipser Ronaldo ce jour-là. Ce match est souvent considéré comme l'un des exemples les plus marquants de l'excellence de Messi sur le terrain, montrant qu'il était non seulement un talent exceptionnel, mais également un leader capable de prendre son équipe par la main dans les moments difficiles. Cette rencontre reste gravée dans les mémoires des fans de football, symbolisant l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport, où Messi a prouvé, par sa performance incroyable, qu'il était le patron sur le terrain ce soir-là.